Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Note Sobéré. Nous sommes en live sur Twitch, nous avons tout le chat qui est là-bas et qui vous salue bien bas, hein. Il prend son chapeau et il fait « Salut YouTube, comment tu vas ?» Donc n'hésitez pas à saluer Twitch en retour, en tout cas pour les 3 spectateurs et demi que vous êtes. Ouais, je sais, je vous vois, je vous connais. Je sais. Et on est parti hein, pour retrouver Pomme d'Api et son homme, puis les 2 petites gamines. On a relooké la petite Céleste, qui est maintenant tout simplement de couleur bleu vêtue. Et on a ajouté une petite tenue à Miss Pom Pom. 2 tenues même, mais ça, vous les verrez quand elle sera habillée. Alors, on a profité d'avoir les nouveaux kits qui sont sortis hier, donc cette semaine. Qui sont les kits Rue de la Mode et Incheon Style de la Corée du Sud. Voilà. Donc c'est pas trop mal, mais tu vas dormir, toi, Jeannette. Pourquoi il se lève tout le temps? Laisse la gamine. On s'en fout. Elle pleure, et elle pleure. C'est son problème. Oui. Allez, ça commence. Tu vas pisser, tu te tais, tu laisses ta mère dormir. Il est 8h du matin, elle a pas fini sa nuit. Non, mais dis donc. Ça vous dit. Et salut Guillaume, comment vas-tu? Et que Sims, je t'ai pas vu non plus. Bah, les chiens en appartement dans les Sims, ils peuvent pas épicer dehors tout ça, super chiant, donc oui, c'est l'idée. Bah, je le sais, mon soldat, souviens-toi du Legacy. C'est pour ça que j'y pas en appart, parce que j'ai dû abandonner le chien, tellement j'en pouvais plus, tellement c'était chiant. Prends son chapeau et salut bien bas. J'ai fait des petites courgettes farcies végétariennes, c'est une tuerie. Recette! C'est Nana, dans le Discord. J'ai acheté des courgettes, moi aussi, tiens. Donc, n'hésite pas. Alors, que va faire notre petite... comment elle s'appelle, celle-là? Nila? Ouais, Nila, je crois. Alors? Ça, c'est de la concentration, hein. Ça pue, en tout cas, hein, cocotte. Ouais, j'allais dire, vu le visage, ça a dû la soulager, mais pas tant que ça. Eh, retourne faire une sieste. J'adore les gosses. Quelle passion. Passion bambin dans les Sims. Oh, puis c'est samedi! Oh non! On doit se taper les gosses toute la journée. Alors, SimTube 37 Simplouze, et c'est bientôt l'anniversaire de Nila! Et le Hulk! Pardon, je suis obligée de dire oui. C'est la génération verte. Quand on a un ami qui propose, on est obligé de dire oui. Oui, 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 oui. Ouais, super, on est content. Et la meuf, elle est même pas sortie du pieu. Elle... Comment? Ah, alors les chlouches que vous avez entendus, c'est les morts. Hein. Nicolas, Rhin, Léa, Céline et Lucas. Voilà, ils sont tous morts et ils flottent, ils ont flotté. Salut mon bro, comment vas-tu mon bro? J'avais pas fait gaffe. Du coup, elle a le aîné sur toutes ses tenues. Ah bah oui, bah tant qu'à faire. Putain, quel enfer. Je pense que ma petite, elle va se pisser dessus là. Eh, attendez, il y a un bambinouche. Bambino, Bambino, je sais bien que tu l'adores, Bambino, Bambino, et qu'il a des jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore, Bambino, Bambino, pour jouer les amoureux. Et c'est Guillaume! Tiens, c'est Guillaumus du chat, Guillaume Rainbow qui est tout petit. Là. Et j'ai entendu un bébé braillé, Et c'est... Je sais jamais reconnaître avec la... Bon, c'est doit être une fille, je crois. Quand c'est jaune, c'est une fille. Mais t'es qui, toi? Parce que sa femme a le Hulk, c'est elle. T'es qui, toi, en fait?
On n'a toujours pas la bulle, hein. Je ne sais pas toujours pas ce que c'est, ni comment ça s'appelle. Dégage! Bon, ben, on le saura pas, hein, tant pis. Hein. Elle va pisser. Et c'est qui celui-là maintenant? Vincent Sato. Mais t'as un menton, mon gars! Oh! Marina! Ah, c'est une fille! Marina! 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 Eh ben, elle va crever! Marina! Marina! C'est dommage, la petite chose! Marina! Marina! Elle va finir services sociaux! Marina, Marina, Marina. Bon, ok. Salut, Claire. Ah, tu connais même pas ta belle-sœur. Bon, c'était pas la plus belle, mais... Ah, d'accord. C'était en même temps. Et toi, j'ai trop hâte, je vais me faire couper les cheveux. La touffe, alors. Nom de garçon, quand ils appellent ça une touffe, c'est que genre... Oh là là, mon dieu, la longueur a atteint les 1,5 cm. Waouh! Je vous connais, les garçons. Toute une histoire pour 5 mm, hein, je te jure. Moi, c'était les pâtes crème fraîche et allumettes de jambon au four. C'est que c'est la génération de l'horreur. Encore un Guillaume, décidément je suis partout. Mais non, mais Guillaume c'est un des prénoms par défaut dans les Sims, donc de ouf quoi. Avec Philippe, avec encore Philippe, il y en a moins. Oh, je sais plus, j'ai pas envie de réfléchir à cette heure-ci. J'ai dû changer mon pseudo, hein, parce que avec ce qui se passe sur Twitch aujourd'hui, mon MP par... J'ai même pas pu, je sais même pas où je change mon mot de passe. J'ai voulu changer, j'ai pas trouvé. Je fais bon. Ben, tant pis. Salut Mélodie, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ah oui, c'est ça, t'as vu ta DD500 en entier. Il fallait mettre numéro de téléphone, Guillaume, si tu veux choper un petit peu. J'ai fait tout à l'heure aussi, c'est juste en paramètres. Bah même en paramètres, j'ai pas ça. J'ai que des trucs sur ma chaîne. Donc je sais pas ce que j'ai foutu, mais je sais pas. Écoutez, tant pis. Hein. On ira me pirater pour connaître mon incroyable salaire Twitch. Ah, c'est pour ça que t'as une ligne aussi fine, madame. Il est où? Ah bah, il est en train de jouer. Bon, au moins pendant ce temps-là, c'est pas nous qui devons nous occuper des gosses. Moi aussi, je sais le faire. J'ai mangé en anglais justement parce que je ne supportais pas les prénoms français abominables. Bah oui, il y a Chantal, Véronique. Oh, c'est horrible les prénoms. Enfin, je suis désolée, hein, respect à toutes les Chantal et les Véronique. Mais c'est pas actuel. C'est pas possible. Et puis t'as l'impression qu'ils ont 10 prénoms garçons, 10 prénoms filles, et puis c'est tout quoi. Bah bien sûr, Flora, tu peux mettre ton jeu en anglais, en allemand, en suisse si tu veux, hein. Évidemment. Ah, Bambino, Bambino. Qu'elle a des jolis yeux. On sait jamais qu'avec la carte bleue ou la tour de Switch, bah c'est pas terrible, ça vous... Appelez vos filles Sophie. Comme l'escargot. Enfin, en dit long. Excusez-moi, madame, vous faites caca. Je m'en vais. Mon cher petit campagne. Oh, il t'aime pas. Mais qu'est-ce que ça fait, ce pauvre gosse? Vous avez vu qu'elle avait des cornes de diable et tout, là, avec le moins-moins? Qu'est-ce qu'elle a fait, ce pauvre gamin, en vrai? Ah,
Zaphis, Moochie Peachy, Benjip. Genre à cet âge-là, t'as des gamins, ils aiment pas, remarque, pourquoi pas. Qui sommes-nous pour juger? Salut Crouton, comment vas-tu? J'essaie de payer un pack Sims 4 sur Steam, mais... Moi j'ai déjà les Sims 4. Mais les Sims 4, je vais les payer sur Origin. Erreur, j'ai pas les Sims 4, fais comprendre. Et salut Martialux, comment vas-tu mon beau gosse? J'avoue Crouton, mais le truc c'est que depuis qu'ils l'ont fait sur Steam, moi j'avoue que je suis toujours passée par Origin, donc j'ai pas ce souci. Est-ce que c'est le même prix? Parce que si c'est dans le même prix, vaut mieux que tu achètes sur Origin au final, plutôt que sur Steam. Mais je sais pas du tout si c'est... Les plateformes peuvent se croiser. J'en ai vraiment aucune idée, quoi. Salut Tandori, comment vas-tu? Lily a une poupée qui s'appelle Sophie, elle l'adore. Sophie. C'est mon ancienne chef qui s'appelait comme ça. Ah! Il y a à bouffer! Trop bien. Ouais. Du coup, Pomme, elle va pas se faire... Hein, bon, avec son frère et tout, là, ça va. On va discuter des techniques de musculation. Un petit peu. Oh, Rin est mort! Rin tinqué! Rin tinqué. Elle est morte, Rin tinqué. Oh... Ouais, c'est ça. Non, c'est pas le même prix? Ah merde. Après, je peux pas te dire. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a acheté son jeu de base Origin et essayé d'acheter autre chose sur Steam? Des DLC sur Steam. Parce que, est-ce que c'est compatible ou pas du tout? En vrai, j'en ai aucune idée. Merci beaucoup, Béa. Petite fleur de Sakura. Tant que ça, merci beaucoup pour ton 6e mois d'abonnement. Merci énormément. Gros bisous à toi, Smiley Bull. Merci beaucoup pour le soutif. Je suis ni ancienne, ni chef. Non, mais bah, je sais. Bon, elle s'appelait Sophie quand même. Oh là! Non, mais... Hein, tu portes pas bien la chemise, toi. Enfin, je veux dire, le Hulk, il a la même. Ça lui va quand même vachement mieux, hein. Pourra pas dire, mais au moins, je sais bien looker mes gosses, moi. Enfin, mes Sims, je veux dire, mes gosses. Mes gosses, n'importe quoi. Mais c'est bon, il doit y avoir eu but au foot pour ceux qui regardent. J'en ai rien à foutre. Je savais même pas qu'il y avait du foot, et puis je m'en car le fion. Non transférable, les DLC sont propres à la plateforme, malheureusement. Ah bah voilà, Crouton, c'est pour ça. Alors, si tu veux acheter ton DLC, c'est sur Origin, ou alors il faut que tu rachètes le jeu de base sur Steam. C'est malheureux, hein, mais bon. Et du coup, je me le paye sur Instant Gaming, qui en fait, vu qu'il a 25, ça me marque la Suisse quand je mets en France. Alors, oui, faut que tu marques Suisse, par exemple, tu mets un autre pays. Ça marchera très bien. Et si tu veux, tu peux passer par mon lien Instant Gaming qui est en dessous. Comme ça, ça me fera un grâce à ton achat sur Instant Gaming et via mon lien affilié, ça me fera un petit don, même si toi, tu ne payeras pas plus cher. Pour la moula. Salut Lilaxel, comment vas-tu? Bon, allez, on va rentrer à la baraque, là. On est parti assez longtemps pour pas s'occuper des gosses. C'est bien. On va rentrer chez nous, maintenant. Comment ça, j'ai évité? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On va pas aller avec le Hulk, faut pas déconner non plus. On l'aime bien, mais bon, chacun sa maison, chacun sa famille. Faut que tu ailles sur Steam et tu fais autre jeu Steam et tu sélectionnes les Sims 4. Ah, c'est possible, Mélanie? Ah, je sais pas. Pour être tranquille, je me suis posée dans la chambre, donc sur téléphone. Ah, alors, ma petite, tu vois, tu vas... courir! Tu vas faire un peu de footing. Sans te faire renverser par les vélos, ce serait bien. Monsieur? Je crois qu'il y a du ménage à faire. Et les petites, elles sont levées.
Mais en même temps, tu m'étonnes. Eh bon, bah, vous faites rien. Et faites continuer à rien faire de votre vie, les petites. Hein, ça, c'est pas grave. Bon, lui, elle fera un peu de ménage. Pendant que notre pomme d'api... J'allais dire, elle court avec un sac poubelle. Non, en fait, elle allait juste jeter un sac. Ok. Je t'ai demandé de courir, en fait, mais toi, tu préfères jeter les poubelles. D'accord. C'est toujours ça. Les Sims, ça. Voilà, la main magnifique. Et regardez comme il a l'air à l'aise. Oh non, c'est pas possible. Bah oui, viens. Pff, pas le choix. Ton jeu de base vient d'origine et t'as acheté sur Steam. Ah, c'est bien, ça. Donc c'est quand même possible, d'après Mélodie. Donc, je viens de mettre sur Discord, rubrique générale, des screens pour savoir comment changer votre MP sur Twitch. Très bien. Faudra que je le fasse. C'est ça que t'appelles faire du footing, toi. Enfin, moi, je le ferai pas parce que je suis trop lourde et... J'arrive pas à avoir de souffle. Bon, c'est un numéro inconnu. Nous réparons votre ligne téléphonique. Ne décrochez pas la prochaine fois que quelqu'un vous appelle. Qu'est-ce qu'on fait? On demande qui est à l'appareil ou on raccroche? Comme Sarah, ça raccroche. Bah alors? Voilà, merci. Excusez-moi de mon batteur, il s'est endormi là en attendant de faire son petit. Palapunchi. Et ça rappelle. Ah oui, j'avoue, ouais. J'avoue. Bah, il faut déjà, s'il faut qu'elle rappelle, il faut qu'elle raccroche. Tu vois ce que je veux dire? On raccroche. Qui n'est pas à l'appareil? Qui n'est à l'appareil? Qu'est-ce que tu racontes? Si un anal sait plus écrire, ça y est, c'est officiel. Bon, il y a quand même plus de raccroches, hein. Comme eux-mêmes, hein. Allez, comme eux-mêmes, on raccroche, hein. Attendez un peu, vous ne voudriez pas... Clic. Rien à foutre. Rien à foutre, je suis roi, je t'emmerde. C'est comme ça qu'on dit dans les inconnus. Faudrait que je le mette, ça, en son. Rien à foutre, je suis roi, je t'emmerde. Ah, faudrait que j'y pense. Attendez, peu. Je vais me le noter parce que moi j'ai un petit cerveau. En plus, il n'y a pas grand chose dedans, il y a juste un petit poids qui se balade au loin. Excusez-moi, je t'ai concentré. Plus qu'on peut centrer, on a compris la petite. Hein? Bon. Bon, bah pendant ce temps-là, elle court. Elle se raccroche à la vie. Elle se saoule avec le bruit. Waouh! De la laine de lama rose. Oh, de la laine de lama blanche. Mm. Wonderful. Wow. Oh! Qu'il est beau. Pas aussi beau que mon titi qui est là. Hein? On va pas s'éconner. Avec son petit nez qui bouge, là. Enfin, il grossit et... Ah. Je suis omnubilée par son nez. Vous avez vu, il grossit. Pire. C'est moche. Salut Marine, comment vas-tu? Désolée, j'ai pas pu revenir, je pensais que ça irait vite, mais Loulou a fait un cauchemar. Oh, petit congélateur, ça aide toujours. Oh, Raoul! Si vous aussi, vous aimez quand vous recevez des cadeaux, vous faites des bruits chelous comme... Levez la main. Raoul, il lui a fait un cadal. Oh, une tarte aux myrtilles! 86 simflouz. Moi, je veux être une Sims, hein. Je vais gagner masse thune en faisant pas grand-chose. Alors, Raoul, c'est un pote, hein, quand même, donc on va lui faire un petit cadal aussi. On va lui faire un petit cadal. On va lui faire un petit cadal, je sais pas ce qu'elle... Bon, elle a pas grand-chose. On va lui offrir une tombe. Un aspirateur. Un projet scolaire. Ah, regarde.
regardez qui est là. C'est Jess. Coucou Jess, comment tu vas? Jess, c'est aussi un pote. Ah, il a participé à la foire, trop bien. Bon, par contre, Raoul, il évolue pas dans la vie, il est toujours livreur de course. Hein. Oh, mais c'est quoi ces fringues, Jess? C'est moi qui t'ai habillé comme ça? Possible. Ah, qu'est-ce que t'as dit? Doba Harfin. Oh, Vadish. Érection du nez. J'ai fait gaffe au nez du lama. Moi non plus. C'est dans quel sketch? C'est avec Louis Croivet Bâton. La Révolution. En fait, j'ai compris. Ah, ça y est, crouton. GG. Ah non, pas de congèle, j'ai pas souffert pour rien sa naissance. Oh, tu sais, il est jamais trop tard. Au pire, pour Noël, tu vois. Si tu le nourris bien dès maintenant, à Noël, tu peux le bouffer limite pour Noël et le Nouvel An. Ça peut le faire. Ça fait un bon repas quand même, je trouve, moi. T'as souffert, mais au moins, tu bouffes bien derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est de l'investissement. C'est sûr, ça se fait pas en deux secondes. Hein. Comment ça, je suis horrible? Oh, arrêtez. Arrêtez d'abord en... C'est pas frais en... C'est pas frais en... Elle va te prendre de ta vie, Olama. Il est content. Je sais, je fais bien le lama. Qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est Orangino, c'est son nom de scène. Je ne dirai pas pourquoi. Allumez vos briquets. J'ai beau l'engraisser, grossit pas de toute façon. Oh bah vraiment alors. Hein. Faut le gaver hein, comme les oies. Comme les oies. Eh, rentre chez toi, plus le lama il est parti, il est disparu. Il a disparu. Il a disparu. Disparu. Tiens, hop. Et Jean-Claude là, pourquoi tu dors en fait? Viens astiquer. Viens astiquer. Il aime bien astiquer. Pourquoi je fais toujours des sous-entendus chiottes, moi quand même. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas, elle? Tu vas te faire kidnapper par des pédophiles. Ah, Tati! J'avais oublié qu'elle devait venir. Oh, j'avais oublié. Qu'elle devait passer. Moi, j'étais partie avec... sans la foire. Oh bah, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Elle est grande. Hein. Elle sait venir jusque-là. Elle sait traverser la rue pour aller à la foire aussi. Hein. Patiche. C'est excellent ce sketch à mort, Louis Croivet Bâton. J'ai commencé mon nouveau job pendant la formation de formateur, parler des chiffres romains. Et je tentais à moi les chiffres romains, à part Louis Croivet Bâton, je connais pas. Personne n'avait la ref. Oh mon dieu, ma pauvre Tiana. Du coup, t'as changé de taf aussi. Tu me diras si t'as changé de ville aussi. Ouais, c'est logique, mais... À qui on va se plaindre maintenant, hein? Quand on appelle l'outline, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est à cause de la veste matelassée? Non. Il y a des hommes dans les Sims, ils ont une forme d'orangina. Ils sont larges du bassin, c'est pas beau. This is not nice at all. Elle est crevex. Putain, on est samedi? J'ai dit putain. On est crevés, on est crevés. J'ai plus parlé. Ah, c'est sale. Il y en a un qui va venir taper un petit aspirateur ici par dans le coin là, moi je vous le dis. Hein. Un petit aspirateur time. Je vais me taper un mini fourrir toute seule à cause de Orangino. Je crois que j'ai besoin de sommeil. Bah quoi? C'est sympa comme nom.
Ah, t'es à EDF! Oh bah super! Bah écoutez, si vous avez problème d'électricité, c'est Sianana qu'il faut appeler. Elle va vous. Moi, elle va même à partir de maintenant, hein, Sianana? Électricité gratuite? Hein? Ouais! Bah oui, écoute. Hein? Moi, je compte sur toi. Hein. J'en veux plus de tes factures. Tabarnak! Juste Runica, d'accord, ok. Ah, d'accord, le temps est parti. Plus rapide au moins. Ah oui, 1h24 du mat, j'avais pas vu. Les gamins n'ont pas mangé de la journée. J'avais pas vu, c'est pas grave, vous me direz de la journée. Oh, j'avais pas vu. Oh, oh, oh. Parle. T'as passé une journée à rien foutre. Comme toutes mes journées à moi. L'aspirateur, Jean-Claude! Après, on va avoir un feu qui se déclare parce que monsieur, il aura pas passé l'aspirateur quand je lui ai demandé. J'ai même pas pour moi le tarif agent EDF alors que pour les autres, ça paraît compliqué. Mais non, mais tu vas aller dans mon compte et tu vas dire comme quoi c'est déjà réglé alors que c'est pas le cas. Puis voilà. Ah, écoute, hein. Maintenant, ça fait tiller, il faut parler magouille. Hein. Ah, je vais vous passer une petite page de publicitade. Parce que Martial Lux a envie que je regarde, que je vous balance de la pub dans la chlongue. Dans la chlongue, oui. Ah, bah, tu vas manger les pastas primavera, hein, ma cocotte. Ça veut dire que parmi les non-subs du chat, ceux qui n'ont pas un petit fessoir devant leur pseudo, eh bien, vous pourrez peut-être être tiré au sort pour admirer une magnifique publicité de la part de Twitch, et que grâce à ça, et que sans rien faire, eh bien, vous arriverez à me donner quelques petits centimes d'euros. Et ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat pour que je puisse vous remercier infiniment, bien sûr, chacun. Voilà, c'est comme ça. Je vais maintenant taper une parce que j'ai dû me reconnecter sur le PC. Oh, merci mon petit Marcelux. Même si normalement tu devrais pas en avoir. Toi, tu lâches ton gosse. Tu retournes te coucher. Et tu laisses ta gosse bouffer ses pastas à Primavera. C'est un avant. Je sais pas. Oh, merci Marilyn pour ton follow, bienvenue à toi! Bienvenue à toi! Bonjour Jamie, petit con. Bon, pour Jamie, le compte à rebours est à J-9. Hein. Non, attends, attends, te faire câlin. Tu m'as déjà vu aujourd'hui. Tu m'as vu, Nina? Dis bonjour au chat, eux ils t'ont pas vu encore. Non, il ne voudra pas. La prochaine fois, vous nous fassiez épouser un homme qui soit soigné, comme ça, elle passera son temps. Ah bah... Attends, bah, c'était où? À passer la spi. C'est vrai que la duchesse, la femme de Toto. Non, c'était pas la femme de Toto, c'était la chamallow. Elle aimait bien faire le ménage parce qu'elle était soignée. Et si, vu que j'étais pas connectée, j'ai changé mon autre passe. Ah, d'accord, d'accord. T'as Eouk. Eouk. Allez. Je t'ai dit de lâcher ton gosse maintenant. C'est pas possible ça. D'être bouché. Eh ben, re, Guillaumus. Là. Coucou. T'es mignon. T'es gros. Ouais, à bout de bras, laisse tomber. Mais arrête. Mais c'est... Il savait comme c'est chiant. C'est mignon, hein, mais c'est chiant. C'est mignon, mais c'est chiant parce que le machin, il est lourd quand même. Hein. Il fait 3 kilos, le bazar. Hein. 3 kilos. Hein. Il a même pas un an. Tyrion, il a maigri comme pas deux, il est plus léger, je suis sûre.
Dis bonjour maintenant. Oui, tu vas venir après. Dis bonjour. Bonjour. Bonjour le chat. Bonjour les abonnés. Coucou. Dans 9 jours, je me l'ai fait couper. Oui. Oui, oui. Oh oui. On va faire des grosses coucougnettes. On va leur dire au revoir. Oh oui. Ça te fera du bien. Elle faisait le ménage en porte-jartel et soutif d'ailleurs. Tout à fait. Ça fait les bras, c'est ça. Mais j'en ai déjà porté des trucs lourds aujourd'hui. J'ai toujours mal. Vous savez, j'ai toujours mal à ce bras-là hein, depuis longtemps. Ça fait plusieurs mois. Hein. Au départ, je croyais que c'était à cause du changement de mes souris. Enfin, du fait d'avoir une souris ergonomique et une souris non ergonomique. Mais en fait, je crois que ça n'a rien à voir. Donc tant pis. Eh. Lui il s'est dit, bah voilà, maintenant que j'ai dormi. Oh, l'aspirateur qui pop comme ça, c'était magique. Aspire-moi ce lapin de malheur là. Voilà, ça c'est bien. Et non, pas consulter, on s'en fout. Ce qui est sûr, c'est que tu vas passer l'aspi. Et après, tu retourneras à l'étage pour te prendre une douche. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Pourquoi tu... Je t'ai demandé de dormir, pas de faire une sieste. Oh là là. Ah, oh, il me fatigue, ces Sims. Il me fatigue. Je me le paye sur un sang, mais du coup, si je mets suisse, ça va être en français. Bien sûr. T'inquiète pas, même si tu mets allemand, Allemagne, par exemple, ça te mettra... Vu que ton jeu de base est en français, il s'adapte, en fait. Donc t'inquiète pas là-dessus. Bientôt RIP les castagnettes, c'est ça. Après, de toute façon, il n'en fera pas usage beaucoup hein, pour l'instant. Octopus. Mais cucu, ma petite Marie. Oh, petite Marie. Je parle pas de toi parce qu'avec ta petite voix. En tout cas, bienvenue ici. Avec ton raid petit viewer de Belge. Ça veut rien dire. Et coucou tout le monde, coucou les Belges, coucou Marie. Coucou Marinette, pouet pouet. J'espère que ton live s'est bien passé, ma cocotte. Et bienvenue sur un live d'incroyable qualité, puisque nous sommes sur les Sims 4 sur le Note Soberry. Nous sommes actuellement à la génération verte, qui est donc la génération numéro 9 sur 10. Nous sommes bien avancés quand même. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend. Ok, il a pas passé l'aspirateur, hein, cet enfoiré. Viens ici, tu vas y manger. Donc... Moi aussi, je peux le faire. Voilà, nous sommes sur notre Soberry, nous sommes à Infernal Bagley. Au niveau de la ville. Oups, c'est pas... Moi et mon petit squad en débarque. Ton petit squad, comment elle a dit ça? Trop chelou. Et vous êtes accueilli par Monsieur Jamie Ronron chiant aussi, hein, mais que là il a pas envie de vous dire bonjour, donc vous pourrez attendre encore un petit peu. Peut-être que vous verrez sa petite trogne. Voilà. Quel accent Chantal. C'est ça. Une autre chanson? Bah non, c'est fini les chansons. C'est à cause de Twitch hein, et des droits d'auteur, c'est fini les chansons. Avant il y avait des chansons. Hein. Vous aimiez bien acheter les chansons à l'époque, hein. Oh, il a mis sa nouvelle tenue. Je t'ai pété dans l'oreille. On lui a mis cette nouvelle tenue qui est avec Ichon Style, le nouveau Rikikit qui est sorti hier. Donc voilà, bah, il s'est dit, bah, moi je vais m'habiller bien comme il faut, mes fringues elles sont toutes propres, je suis fière. Sachant que Pom Pom a également aussi deux nouvelles tenues qu'elle a eues avec... Avec les nouveaux kits. Bah elle a plutôt eu l'autre. Celui de Rue de la Mode. Bombay. Voilà. Tu vas servir le petit déj des pancax. Puis aujourd'hui, c'est, j'espère qu'il n'y a personne qui va l'inviter. Parce qu'on va bosser ses compétences. Parce que la veille, bah, on l'a pas fait. Célébrer l'anniversaire de Nila. Non, déjà. Déjà. Ouais, bah elle va clignoter. Bon, c'est papa qui va lui faire un bon petit gâteau.
Arrête! Mais mec, je t'ai dit de faire des trucs, tu le fais pas! Ça, et il commence à me sortir par les yeux. Pourquoi t'as une part de bouffe là? Qui c'est qui l'a pas mangé? Mais qu'est-ce qu'ils font ces Sims en fait? Je comprends rien moi. Une tarte aux myrtilles comme dans Kaamelott. Allô, pom-pom, tu viens boire un verre, Kappa? Elle se la pète trop. Qui c'est qui se la pète trop? Regardez-moi ça. Regardez ça, là. Comment il s'accroche. Merci, Yuzu, pour ton follow. Et bienvenue à toi. À Chantal, qui se la pète. Moi, j'avoue, elle s'en squad. Non, mais de quoi elle parle, elle? Ah non, attendez. Non, c'est lui qui sonne. J'ai cru que c'était... Alors, vu que c'est lui, on va dire non. LOL, MDR, PTDR, XPTDR. RR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 
Peut-être qu'un jour mon canapé pourra se revêtir de coussins agréables quand Monsieur Jamie aura décidé de ne plus pisser nulle part. Alors ça fait un moment, hein, mais quand j'en parle en général, il le fait après, donc on ne dit mot et on espère que ça se fasse régler. Elle a une grande baraque et un plan utilisable. Bah en vrai, c'est du foutage de tronche parce que il devrait avoir de la place quand même. Là, c'est du foutage de gueule. Mais bon. Il est sim, ça. Est-ce qu'on est encore étonné? J'ai envie de dire non. Et en plus, il me le fout là. Va mettre les bougies d'anniversaire. Les bougies d'anniversaire. Est-ce qu'elle grandit, Janine? Ah bah ça y est, elle clignote. On va la lever. Polonais. Papa, il va aller lui laver les fesses. Parce qu'elle est un petit peu... Allez, c'est juste pour l'anniversaire, comme ça, on est sûr que... Faire un bébé avec Pomme, non, c'est pas ça. Donner un bain à Nila. C'est vrai que maman est en train de réviser ses skills en jeu vidéo. Non, c'est en toutes lettres, ouais. J'ai bien envie de commencer à notre sauver, mais je sais plus ce qu'il faut faire ou je mélange avec les couleurs. Eh bien, t'inquiète, tu as les règles là. C'est dans l'ordre, c'est menthe, rouge, jaune, gris, violet, orange, rose, pêche, vert, bleu. J'ai bugué à un moment donné. Voilà. Menthe, rouge, jaune, gris, violet, orange, rose, pêche, vert et bleu. Oui! Oh! Bon, on a terminé l'aspiration. On aura au moins fait ça aujourd'hui. Aspiration terminée. Pomme devait réaliser son rêve de devenir une impératrice de l'informatique. Bien sûr, c'est un peu une geek, mais une geek qui réussit. Trait de caractère gagné, pro du web, nouvelle interaction sur l'ordinateur débloquée. Bah c'est cool. C'est ça. On a eu l'aspiration. On a réussi l'aspiration. Bon, il nous manque encore la... Les trois niveaux de programmation, mixologie et jeux vidéo au niveau 10. Et aussi la carrière au niveau 10. Il n'y a pas un nouveau Not So Berry mis à jour avec les nouveaux packs. Il y a une suite apparemment qui existe. Mais si je la fais, ce ne sera pas tout de suite à la suite de celui-là. Parce que ça fait longtemps qu'on est dessus, j'ai envie de changer, hein, on va pas se leurrer. Mais j'ai même pas lu les règles, j'ai même pas lu les couleurs. À mon avis, ils vont nous mettre des couleurs à la mort-molfion, là. Je sais pas, noir, blanc, tout ce qui a pas été fait en une couleur de cheveux qui... Marron, les trucs moches, quoi. Les trucs affreux. Merci pour elle, merci pour nous. Nous avons réussi. Qu'est-ce qu'il fait? Nib nib. C'est bien, il donne des... Il enseigne à sa gosse les trucs, c'est marrant. Pareil, je lui ai pas dit de faire, hein, mais... Nous aussi, on va prendre les mots, je suis sûre... Ah, un brocoli. Ça se dit comment? Brocoli. Lit. Tout doux vep. Merde, qu'est-ce qu'elle a? Ah, trop tard. C'est une poêle ou c'est une casserole? Oh, maintenant c'est devenu une brosse à dents. Brosse à dents. Je sais pas, je comprends pas le bambin, moi. Pour moi, je voudrais la faire, mais je la trouve pas. Je crois que c'est à la suite des règles, hein, normalement. C'est combien de temps que tu es sur ce challenge? Du coup, ça fait plus de 2 ans maintenant. On a commencé en été 2019. Je sais plus si c'était juin. Il me semble que c'était vers juin. Donc ça fait plus de 2 ans.
À raison d'un live par semaine à peu près. Au début, je faisais deux et après, on est rapidement resté sur un live par semaine. C'est déjà pas mal, on va dire. Je te dérange, Jamie ? Il est là, il est plus dans mon cou, mais il est toujours là. Ah, je me disais bien qu'il y avait de la poussière et allez hop, passe à spier. Passe à spier. Bon, il est 17h. Elle a faim. Bon. En vrai, tu vas préparer l'anniversaire de ta fille. J'ai trouvé 8 générations supplémentaires, les règles sont qu'en anglais. Et elles sont pas à la suite de, sur le forum en vrai? Il me semblait qu'elles étaient sur le forum. Faut déjà avoir envie de le faire, hein, 8 générations en plus. C'est chaud bilo, hein. Comme même, comme on dit. Alors, fête d'anniversaire. Le signe célébré. Nila! Les invités. C'est... voilà. On va appeler Raoul, Marina, apparemment c'est une amie, Jess, Opaline et le Hulk. On va inviter Guillaume, c'est le cousin quand même. On va inviter Claire aussi. Par contre, c'est qui le... Ah oui, c'était le beau mec. Ben, on l'a plus dans les contacts. Le beau mec, le mari d'Opaline. Faudra qu'on aille chez Opaline en vrai. Pour qu'on puisse rencontrer les cousins, cousines et tout là. Comme mémé. Bien sûr, on va rester à la maison. Si je la trouve. Voilà. Paf. En plus, c'est bon, Mathias, il va finir de passer l'aspi. Il y a un autre effet avec... Ouais, pas 102. Bah ouais, c'est 102 générations, c'est beaucoup quand même. Je dis pas. Je suis sûre qu'il y en a qui l'ont fait. Mais 100 générations, vous croyez que... Bah, c'est faisable, effectivement, mais... Oh. C'est chaud, quoi. Mais je pense que pour atteindre un nombre de 100 générations, en fait, il faut que... Il faut que vous fassiez tous vos challenges sur la même famille, la même partie. Après, vous changez les règles, vous adaptez et tout, mais en vrai, il n'y a que comme ça que vous verrez pas le temps passer. Le dernier de la génération, ben, s'il vous plaît pas physiquement, vous rechangez un petit peu, mais vous gardez quand même les liens avec toutes les familles, les prédécesseurs et tout. Et en vrai, ça peut passer, en vrai. Genre, regardez le Legacy qu'on a fait ou le Notsoberry, à la fin, ça fait 10 générations. Vous dites, bon, bah voilà, je vais continuer à faire autre chose avec un des enfants qui reste. Et puis après, vous faites ça, vous faites une pause, vous faites autre chose. Puis vous revenez sur ce challenge en faisant autre chose et tout. Il y a moyen, hein. Et à toi, tu fais grandir, tomber enceinte. Oui, bah oui. En 5 minutes ? En 5 minutes, t'as fait 3 générations ? Ça me rappelle quelqu'un. J'aimerais réussi à tenir une partie plus de 5 générations, mais c'était pas des challenges. Et j'étais en vie longue. Ah non, mais vie longue, par contre, c'est trop, moi, je trouve, c'est trop. Hein, Jamie, c'est trop long. Regardez-le. Voilà. La vie est dure, hein, pour ce monsieur-là. Bon, par contre, tu vas t'habiller, je pense, quand même. Voilà. Oh, grande sœur. Grande sœur est toujours buggée un petit peu sur moi. Tupa Hoffen. Malheureuse, chaton. Je suis malheureux. Je suis malheureux. Ce sera encore plus dur dans 9 jours ou moins dur, Gwenny. Si on va par là, ce sera moins dur. Ce sera tout mou tout mou.
Je fais ça pour un SB, je suis sur le 100 bébés sur la même partie, donc oui, je suis partie de sortir de... Ah, purée, quel enfer. Pourquoi vous faites les 100 bébés? J'aimerais connaître vos motivations. Qu'est-ce qui vous motive à le faire? Oh! Oh, salut, des licornes, et merci beaucoup pour ton raid, bienvenue à toi et tes licorneaux. Je ne sais pas comment on appelle tes... Je vais oublier peut-être. Regardez, vous êtes accueillis par Monsieur Jamie. Monsieur Jamie, voilà, qui mord sa mère. Aïe, aïe, espèce de fou dingue. Dis bonjour au raid. Coucou le raid. Comment ça va? N'hésitez pas à follow, hein. Comme ça, moi, ce soir, je peux bouffer. Parce que des fois, j'ai faim. Et j'aime bien manger. C'est pour ça que je mange les doigts de ma maman. Parce que j'ai faim. J'ai faim. Regardez, c'est lui qui vous fait coucou. Oula. Et coucou tout le monde, merci beaucoup pour votre raid. J'espère que ton live s'est super bien passé. Tu étais sur quoi, sur les Sims? Salut des Mélicornes, salut Never Too Late. Salut Sabrok. Comment allez-vous? Et salut Samano, comment tu vas? Une marionnette ce chat. Ah oui, non mais c'est une guimauve. Hein. Dans mes bras, c'est une guimauve. Petite Jamie à 6 mois. Et aujourd'hui, on fête les 6 mois. Ça fait 6 mois pile aujourd'hui que je l'ai dans la maison. Donc il a 7 mois et demi. Déjà? Attendez. Non, 5 mois, pardon. C'était en mois de mai, c'était pas au mois d'avril. Donc il a 6 mois et demi. Hein? 6 mois et demi, monsieur chaton. Et 5 mois d'abonnement. N'importe quoi. 5 mois d'adoption. Et donc, bah, on est ce soir sur le Not So Berry. Je pense que c'est un challenge que dont vous avez déjà entendu parler. Normalement, hein, c'est un challenge assez connu. Où on est déjà la génération verte, qui est donc l'avant-dernière, avec Pomme, qui est notre héritière en titre, du coup. Qui est très très belle, hein. C'est notre petite Pomme-Pomme. Et on a déjà deux enfants. Oh mince, elles ont la même tenue, les gamines. Oh merde. Et la petite Nila, qui est la première née, sera donc, va devenir enfant, en fait, aujourd'hui. Maintenant même, donc on va aider à souffler les Boujax. Parce que c'est top, hein, voilà. Hey, tu veux partir, toi? Allez, à tout à l'heure, les abonnés. Dis au revoir aux abonnés. Tout à l'heure. Il s'en fout. Sachant que j'ai mon grand... Ah bah, qui est plus là, d'ailleurs. Ah, il est par terre, il est venu chercher sa peluche. Parce que j'ai deux chats, moi. J'ai deux garçons dans ma maison. Bon anniversaire, Jamie. Bah, ça va, Samono. Bon anniversaire, Jamie. Ah, t'as terminé ton challenge? Le seul challenge que j'aime faire, c'est le DKSV, je l'ai déjà fait. C'est quoi ton challenge? Ça fait 1000 ans que je suis pas passée chez toi. Ah bah écoute, n'hésite pas, tu es le ou la bienvenue. Mais ça fait plaisir. Et merci pour Jamie. Hein. On est d'accord qu'elle a pas... les Sims qui ne font pas ce qu'on demande. Zen. Restons zen, comme dirait l'autre. Il paye en caresses, ouf. En conneries aussi, hein. En morsure. Ouais. Ça, c'est Titi, qui se balade avec sa petite peluche. C'est quand il balade sa peluche qu'il va lui faire des misères. Hein. Je préfère vous prévenir tout de suite. Je ne savais pas que les chats pouvaient se faire plaisir. Ben, en tout cas, le mien, il le fait avec sa peluche, hein. Sa peluche qui est un chat, hein, d'ailleurs. Donc c'est un peu bizarre quand même sur les bords, on va pas se le cacher. Happy birthday, Nila! Happy birthday, Nila! Une petite qui devient grande. Mince! Du coup, faut que j'aille voir les règles. Faut que j'aille voir les règles parce qu'il faut qu'on donne déjà un premier trait pour la génération bleue. Jamie, laisse-le tranquille! Tu le laisses tranquille avec sa peluche. S'il veut faire ce qu'il veut faire. Non mais... Ah, les garçons qui se chamaillent. Bon, et eh ben écoutez, pour l'instant, elle a la Mimi. Avec un bonnet et la vue du... C'est pas l'idéal, mais bon. Je pensais que mon jeu était buggé, mais quand vous désactivez tout le libre-arbitre, tous les Sims, bah, ils font quand même ce qu'ils veulent.
Oui, ça peut arriver, je crois. Cette chaîne, la faucheuse, j'ai tué mes viewers de toutes les façons possibles, Assassin's Creed. Ah ! Oh, moi, je les préfère les bans directs, c'est plus sympa. Non, je ne suis absolument pas mauvaise. C'est pas vrai. D'ailleurs, Marine, est-ce qu'elle est là ce soir? Elle a dit bonjour tout à l'heure, mais est-ce qu'elle est encore parmi nous? Il est sérieux, il est juste derrière moi avec sa peluche. Il est en train de lui donner faire la misère. Alors, je regarde les traits de caractère pour la génération bleue. Oh mon dieu, quel enfer! On doit devoir l'aspiration super parent. Bon, on n'y est pas encore. Morose, perfectionniste et proche de sa famille. Eh ben. Super! Alors, nous avons morose, perfectionniste et proche de sa famille. Non. Est-ce que on peut mettre les moins chiants en premier? On pourrait mettre enfant d'océan, c'est bleu aussi. Proche de la famille, je pense pas que ça fonctionne. Ouais, c'est seulement plus tard. Eh ben, on va mettre... J'allais mettre enfant d'océan, maintenant. Perfectionniste. Et en première, en aspiration, s'en fout d'aspiration enfant, ce sera donc... j'ai pas cliqué. Celle-là. Allez hop. Très bien. Ça passe comme ça, ça passe. Attendez, j'arrive, j'arrive. Ah ben, merci Marine. Tu es bien là, Marine. Non, Marine, pardon, Marie. Oh, bah Marie, Marine, c'est vrai que ça ressemble beaucoup trop. Cette tête d'entraînement pour aller aux toilettes, c'est ça. C'est exactement ça. Ban à la place de Shame dans le GIF. Don't worry, c'est ma caméra qui parle. Tout va bien. Merci beaucoup, Marine, pour cet abonnement offert à Héruline. 129 abonnements, t'es une vraie folle. T'as vu depuis dans le best-of, ça va faire 100 abonnements de différence. Tu te rends compte de ça? Toute la thune que t'as claquée? T'es folle. T'es complètement dingue. Mais merci quand même. Gros bisous à toi, Ismail et Boule. Merci pour le soutien. Je signale ma présence. T'es une folle. T'es folle. Alors, Héruline, tu n'as qu'un mot à dire pour pouvoir ban Marine. Ce mot magique est merci. Est-ce que tu veux qu'on la banne ou pas? Voilà, je suis réveillée Marine. Moi, j'aurais pas dû. Closure roule. N'importe quoi. Merci beaucoup, Demelicorne, pour ton raid, j'ai du mal ce soir. Merci énormément, en tout cas, et bonne soirée à toi. Tu triches. Je triche pas du tout. Voilà. Elle l'a dit, mais elle l'a dit avant que je dise le mot magique. Donc on verra bien ce que ça donne si elle le redit. Alors, la petite bouille de notre amie... comment elle s'appelle déjà? Nila. Il y a peut-être un petit souci de menton. On verra ça plus tard quand elle sera adolescente. En tout cas, pour l'instant, elle est toute mims. Tu peux me remettre les bougies, s'il te plaît? On fera des économies. Non, tu vas remercier tes amis. Hein. Donc ça, c'était une amie. Je me souviens même plus. Alors Black Salas, peut-être pas. Partager l'esprit du jour férié. On va parler avec elle. On va complimenter la tenue de la belle-sœur. Et on va parler avec Jess. Voilà. Pardon. Toujours ce hoquet de merde. Hein. Je ne sais pas où sont mes chats. C'est ça la peluche que Tyrion violente de temps en temps. C'est un chat. Voilà. C'est une peluche Ikea, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Elle est très connue cette peluche. Hein. Coucou! Moi c'est Oscar, la peluche. Je me fais régulièrement violenter par Tyrion. Lannister, oui. Il paye toujours ses dettes, mais en tout cas, moi, il me doit pas d'argent. Il me doit ma dignité. Au secours, aidez-moi. Venez me chercher. Et bientôt, toute ma mousse intérieure va être gorgée de flux que je ne peux pas pouvoir décrire.
C'est trop sale. Oh, secours! C'est pas moi. C'est pas moi, c'est le chat, c'est le chat. Oh là 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 là. Tiens, tu vas pouvoir appeler à table sur la... Qu'est-ce qu'elle veut, la gamine? Ah, c'est pas vrai. Ah non. Si, elle a... Si, si, elle a commencé à faire sa thug. Bon, on va engueuler notre gamine. Voilà, éducation. Discipliner, sévère, hurler. Ben oui, c'est la vie. Comme ça. Ah, c'est fini. J'ai même pas fait attention. Laisse cette gosse. Laisse ces gosses tranquilles. Oh. Une chanson pour faire passer le hockey. Retirez vos écouteurs. J'ai failli. J'ai failli. J'ai failli plutôt Oscar. Oscar la peluche souillée. Ah mais je vous promets. Hein. En plus cette génération, en plus maintenant, bon j'ai pas de pack au restaurant mais bon. Ah oui. Je savais pas du tout. Pomme étant joleuse, elle s'attend un troisième enfant ou quoi? Non non, elle fera juste du sport mais ça n'ira pas plus loin. Tu vas me nettoyer ça toi, Jean-Guy, Jean-Guy Ten. Jean-Guy Ten. Bon elle est claquée. Va dormir. Tu manges, bah c'est bien, et tu manges, c'est vrai, tu vas dormir. Lui, il a même pas mangé. Et elle, eh ben, va les pisser. Bon, on va commencer à... voilà, les gens s'en vont. Oh, quelle est belle, ma pomme. Pomme! Oh, c'est la plus belle! On veut un troisième, tu pourras le mettre au congèle s'il est relou. Non, 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 je sens venir les garçons, là. Ouais, deux même. Donc, non, je ne veux pas qu'il y ait des garçons dans cette génération. Trop, il y a trop eu de garçons, déjà. Non, je veux des filles. C'est quoi, histoire de challenge sans génération? Non, mais on en a parlé comme ça. Que je disais que c'est quand même incroyable. Faut avoir la motivation pour partir sans génération. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais tu vas... Mais tu... Mais elle est partie bosser à presque 1h du matin. Mais non. Mais meuf, ça va pas. Mais elle est folle. Il y en a qui aiment leur boulot, je veux bien, mais à un moment donné, il faut être... Hein? Allez, va baisailler avec ton mec. Parce que t'as... Mais toi, je t'ai demandé d'être couchée au bout d'un moment, Janine. Toi, t'as un lit. Voilà, sache-le. Bon, ton lit, il est vert pour l'instant. C'était le lit de ton tonton avant. Il tondait le gazon, certes, mais il le tond plus maintenant. Enfin, au moins, pas le gazon de la maison, mais le gazon de sa femme, peut-être. J'en fous, c'est ses histoires. Et toi, t'as un lit, maintenant. Qu'on aménagera mieux dans ta chambre, après, s'il faut. Ce bonnet, c'est juste pas possible. On recommence. Crac, crac. Je veux un Oscar dans le prochain best-of. Et tous les soirs de live. C'est horrible hein, cette peluche. Mais je sais pas pourquoi hein, mais il est en kiff sur cette peluche en particulier. C'est toujours la même qui va choper. Puis il la balade, des fois je la mets dans un coin. Puis je reviens, elle est ailleurs. Je me dis, qu'est-ce que t'as fait à cette pauvre petite peluche? Mais lui il me répond pas parce que c'est un chat. Une partie qui va durer 20 ans sur change génération, c'est ça. C'est là qu'elle tombe enceinte. Ah bah non. J'ai mis juste crac crac. Il n'y a pas de probabilité de tomber enceinte quand tu fais juste crac crac dans les Sims. Nah, oui, je serais dégoûtée, mais c'est pas grave, elle ira avorter. Comment ça existe pas l'avortement? Moi, je vous le ferai exister, moi. Jamie qui est là-haut, là. Hein, t'es tout calme, Jenny, si t'arrives. Je pense qu'il se dit, attends, dans 9 jours, là, c'est fini, j'ai plus mes boubous. C'est triste.
Je vais demander à mon veto de me les donner dans un bocal et on ira les enterrer. Oh non, mon dieu. Ah oui, bah non mais t'inquiète, viens ici. On va changer ton lit. Ouais, non mais tu vas avoir un vrai lit, ma petite. Un lit sans monstre. Ouais, non, mais moi, c'est bon. C'est bon, maintenant. Il ne veut plus. Hein. Un lit bleu ou un lit bleu? Ouais, ben. Ben, un lit bleu, alors. Ah, tu vas aller faire du surf. Bon, on va lui mettre de la lumière, je crois, parce que... C'est un petit peu sombre dans sa chambre. Juste tout petit peu. C'est pas grand chose. Ah, on va lui mettre ça. Non, c'est pas assez bleu à mon goût. Cela. C'est pas très très bleu, hein. C'est petit petit bleu. Petit bleu. Voilà. Parce que cette pauvre gamine, elle a rien dans sa chambre. Si, elle a juste ça. C'est déjà pas mal en soi, bien sûr. Elle a même pas de papier peint. À quoi ça sert en même temps le papier peint? C'est juste pour faire joli, pour qu'on voit pas les murs dégueulasses qu'il y a derrière. Hein. On va pas se leurrer. Hein. Bon, écoutez, vous attendiez pas à avoir de la décoration. Hein. Le fameux papier peint fantôme. Yooks! Yips! Oh, le papier peint petit navire. C'est dommage, on n'a pas de garçon. Oh! Zut alors! Je sais, vous êtes terriblement déçus. Ah! J'adore! C'est bleu, en plus. Elle a déjà un sol. C'est déjà ça aussi, hein. Il y en a qui n'en ont pas. Hein. C'est plein les gosses maintenant. Vous avez vu de nos jours comment ils sont les gamins? C'est plein de tout. Ah, j'ai pas mis bébé move objects. Forcément. C'est moins bien. La 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 la. En vrai, elle a déjà un tapis, c'est pas mal. On va pas non plus abuser. On va lui mettre quoi? Un petit bureau pour qu'elle puisse aller à l'école. Ah cool, ils m'ont mis tout en bleu. Ah. Attends, on va bouger la plante. La plante, on va la mettre ici. C'est une chaise. Ce serait bien d'avoir la bonne couleur. Ce serait merveilleux. Mais bon, hein. On est dans les Sims alors. Je sais même plus quel kit c'est ça. Ah! Nos chers enfants. Ah, pas ça, m'enlever le filtre. C'est ça. Même pas les mêmes couleurs. Bon, ça passe. Ah, vache! Chérie, j'ai une cliente qui m'a demandé les boules de son chat pour les enterrer. Ça fait un drôle de métier, je te le dis. Même pas de papier peint et kiki cette chambre, bien oui. C'est avec goût que je la décore. Enfin, j'essaye. En plus, ça, je trouve ça super mignon pour un enfant, en fait. J'allais mettre ça, mais... Que dire, Marine? Si Shuriza te remercie... Mais elle a déjà dit merci, zut. Je peux pas faire mes menaces à exécution. Vous êtes pas drôle, hein. Laissez-moi le temps de proférer mes menaces, hein. Parce que si je le dis, ben tu vas me dire mais non, ça marche pas, elle avait déjà dit merci. Ce qui est pas faux. Si elle dit zut, ben tu seras banni aussi. Hein, Shuriza?
Tu sais qu'en plus j'aime bien ton pseudo parce qu'il me fait penser à chorizo. Et moi qui aime le chorizo. D'accord, hein? T'as compris? Merci Lila Axel, c'est gentil. J'en dis des conneries quand même. Qu'est-ce que je dis pas pour vous... pour vous divertir quand même, hein? Il y en a, ils en font quand même vachement moins que moi. Hein. Moi, je me prends la tête hein, à vous faire rire. Pleurer aussi, des fois. Voilà! J'adore rire. Bah oui, moi aussi! J'avais oublié. Pourquoi tu lis le chat? Comment ça, pourquoi je lis le chat? Je devrais pas? Je peux pas lire le chat? Oui, c'est vrai! Vous savez que normalement, je devrais même pas vous lire. Comme ça, je vexe personne et tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est vrai. Parce que des fois, je vexe les gens. Alors j'ai dit, maintenant, je devrais plus vous lire. Comme ça, moi, j'ai plus de soucis. Chorizo. Bah, c'est vrai, non? On est d'accord, ça ressemble quand même. C'est bon, chorizo. Mais gaffe, un jour, si je te vois, chorizo, je vais peut-être te bouffer. Hein. C'est pas... Puis la rediff avancerait sûrement mieux. Bah, d'accord, Martial, il veut plus... Il veut plus que je vous lis, hein, Martial. Ah, d'ailleurs, attends, qui c'est qui a dit quelque chose de méchant sur toi? C'est Datanote, Martial. Parce que tout à l'heure, j'avais le nez qui me grattait. Et attention, je balance, hein. Moi, je suis entière, hein. Il est là, voilà. Tout à l'heure, j'avais le nez qui grattait, j'ai dit, comme je suis allergique au con, il doit y avoir des cons, pas loin. Et Datanote, il me dit, ah ouais, il y a XXX qui arrive. Alors, XXX, c'est toi, hein, Marcelou. J'ai dit, ah, pourquoi tu dis ça? Tu l'épies et tout, machin. Il fait, bah non, t'as le nez qui gratte. Moi, je balance, hein. J'ai dit, c'est pas gentil. Et que t'allais sûrement t'énerver. On la relookera au prochain live. Au prochain live, avant le live, comme ça, tranquille. Là, j'ai déjà refait une chambre. Elle est mignonne, sa chambre. Il y a que le lit qui est pas très très beau, mais... Allez, tira à roupiller. Là, tu... Je peux pas... Je sais pas si Datanote est encore là. Si on te parle, c'est aussi pour que tu nous lises. Mais oui, je sais. Moi, je balance. Ah ouais, je suis une grosse balance, moi. Pourtant, je suis scorpion, mais je suis une grosse balance quand même. Je suis le gros balance. Non, je suis pas d'accord, parce qu'on aime bien se moquer avec Shirley. Ouais, ouais. Bon, c'est bon, va te coucher. Tu sais, il va pas te répondre, le nounours. Hein. Il s'en bat les reins. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Bon, t'as de la chance, Gnome n'est pas là. Mais Gnome, attention, si Gnome dit merci, je te banne, Marine. D'accord? Je le dis à l'avance, ce coup-ci. Ça marche ou pas? Ça fonctionne encore. Merci Marine pour cet abonnement offert encore une fois. 131 abonnements. Tu ne vas pas bien dans ta tête. Tu n'es pas net. T'es comme Jean-Baptiste, hein? T'es comme Jean-Baptiste, t'es pas net. Des bisous. Des gros bisous et smiley boule. Non, je sais qu'elle peut pas dire merci. La prochaine fois, peut-être. On sait pas. Comme ça, elle fait son petit bain, là. Elle va être en pleine forme. À quelle heure elle taffe? À 10h. Bon, ça va, elle a le temps. Elle n'a pas cours aujourd'hui. Et puis lui, ben... Lui, il est... Ben, il va pisser. Bah! D'où il est choqué de la voir dans la douche? Mais c'est ta meuf!
Vous avez fait crac-crac la veille. Pourquoi vous serez choqué, monsieur? N'importe quoi. Ça va vraiment pas bien, les Sims. Hein. Ah, Sims Tube, ça rapporte plus assez d'argent, ma petite. Hein. Il va falloir faire une autre application. Ah! Nous avons changé de femme de ménage? I don't remember. Là, elle est contente parce qu'elle va taffer. Je me suis dit, c'est quoi qu'elle a sur les mains? Mais j'avais oublié qu'on lui a mis du henné. Alors, elle est au niveau 7. Et elle est un petit peu basse pour l'instant. Hein. Bon. On va essayer de faire remonter la perf. Hein, mais je pense pas qu'aujourd'hui, on aura une promotion. Bon, la semaine dernière, on en a eu deux. Dans le même épisode. Donc forcément, c'est déjà pas mal. Et là, je ne sais pas du tout. Alors, au pronostic, jolie ou pas jolie, quelle sera la petite là? Ouais, pour moi, elle va peut-être manquer de mâchoire. J'ai l'impression qu'elle mangera de mâchoire. Elle n'aime pas faire caca devant sa souze. Cette cuisine ressemble à une chambre froide. Ouais, bah je l'ai pas trop aménagée. Souvenez-vous que j'ai déjà mis 10 ans à me décider sur la carcasse qu'elle aurait. Forcément, la maison n'est pas hyper aménagée, quoi. Il y a eu mieux, ça c'est sûr. On va pas se le cacher. Comme le steak. Et comment elle va, la petite sœur? La petite sœur. Ah! Alors, délai imminent. Est-ce qu'on se cache dans un placard ou est-ce qu'on demande de l'aide? C'est vous qui décidationnez en écrivation sur le chat. Eh oui. On peut toujours aller murmurer Marine. Non, merci sans que tu le saches. J'avoue. Si tu veux lui murmurer des choses, libre tu es. Ouais, je parle à la Yoda d'un coup. Ne cherchez pas, je ne sais pas. Tac. Tac, tac. Il y en a des trucs. Hein. J'ai pris 50 notifications. Ah, il y a encore mieux, j'allais dire, il y a le sondage. Mais il y a le sondage. Voilà, le sondage sur le en haut du chat, dans votre espace chat. Si vous ne le voyez pas, je vous invite à refresh avec un petit F5 pour pouvoir votationner dans le sondage du coup, hein, comme ça. Même ceux qui n'osent pas parler pourront répondre, évidemment. Aide, même si se cacher, ce serait drôle. Ce serait surtout bête, mais bon. Murmurez-moi des mots doux. Oh là là! Bah écoute, moi aussi j'aimerais bien qu'on m'en murmure. La vie est dure. Comme ma bite. Si seulement. Et c'est le choix numéro 2 à 89%. Nous allons demander de l'aide. Attention. Oh, 10 000 simflous de ben, oui. Gain de performance petit. Eh bien, petit à petit, la promotion s'offre à nous. Voilà, la performance est devenue bonne maintenant, grâce à vous. Merci beaucoup. Tu fais que ça? Non. Bonne nuit, Never Too Late! Merci d'être resté un petit peu avec nous et tu es le bienvenu prochainement sur un autre live. En tout cas, c'est la même adresse, hein, donc n'hésite pas et bonne nuit à toi, merci beaucoup. Moi, des mots doux, Datanote. Ah, n'importe quoi. Datanote et Eruline, même humour. Attention, bis-bis, hein, attention un peu les deux, là. Tiens, toi, tu dis pas de mots doux. N'est-ce pas? Oh, il va y avoir des règlements de compte, là. Tabarnak. Hey, tu vas faire le ménage un peu? Mais je t'ai pas dit de te lever, toi, en fait, Jacqueline, là? Papa, il va faire à bouffer. Servir le déjeuner. Des faux sandwichs. Ça va être ta affaire, ça.
Parce que... Bah oui, mais... Oh, tu pues. Oh, non. Tu t'en fous de ta fille, tu fais à manger. C'est moi qui gère ta gosse. Enfin... Si j'y pense. Ouais, c'est louche, hein, quand même. Hein. Bise-bise sur l'humour, hein. Mais je t'ai demandé de venir là. Même Tyrion, il sait bien ce qui se passait. C'est Jamie qui était sur le griffoir que j'avais mis en hauteur. Et il était allongé dessus pour dormir. Je sens que le griffoir, il a glissé, il est tombé avec Jamie par-dessus. Ne vous inquiétez pas, Jamie est en un seul morceau, il est déjà en train de remonter dessus. C'est dommage parce que j'aurais aimé filmer ça. Tut ! Ça c'est con ça, j'aurais dû... Au lieu d'avoir un rond, je devrais avoir un grand carré qui prend tout mon salon, comme ça vous verriez toutes les conneries. Oh la vache. Mais qu'il est con ce chat. Mais qu'il est bête ! Voilà, ça t'a secoué, chaton ? Il y a même Titi, regardez, il va aller voir Isomo, il fait « Qu'est-ce qui s'est passé, ce bordel-là » Hein, Tyrion ? Tout va bien, il est en un seul morceau, ton frère. Il viendra t'embêter dans les 5 secondes. T'inquiète pas pour lui. Bon, bah écoute, toi, t'as super. Tu peux aider ta fille à faire les devoirs, en vrai. Je peux... Ça, c'est fait. Je me dis que c'est... Je pense que Céleste, elle sera plus mignonne, je sais pas. Puis voir le jeu, uniquement voir mon salon, ouais. Ça inclurait qu'il faudrait que je fasse le ménage tout le temps derrière, quoi. C'est chiant. Vous savez qu'à quel point je peux accumuler les choses. Et Tyrion, il y va comme tout doucement. Il a trop peur. C'est un peu heureux, Titi. Ça va, Jamie? Ça va? Oui? Ouais. Le pauvre, il dormait en plus. Quel enfer. Pauvre chaton. Je veux être baigné, papa. Lave-moi les fesses. Ah non, hein. Eh, c'est pas possible d'être aussi buggé comme même. Donne un bain à ta fille. Tabarnak. Travaille dur. Alors, elle est stressée, hein. Parce qu'elle est en manque de travail en étant au travail. Mais bien sûr, hein. Salut Akikor, comment vas-tu? Eh, tu es revenu de vacances? Comment ça va? Ah, t'es toujours en vacances? Oh la vache. Eh ben, t'en profites, c'est bien. Ah, c'est bien, la petite, elle est toute propre. Bah écoute, c'est merveilleux. Elle va aller sur le popo. Nila, elle joue. Toute sage. Bah c'est nickel. Et toi, bah... Mon Jean-Claude... Tu vas me faire à manger. Tu vas me faire des plats en avance, tant qu'à faire. Plus de choix. Servir le dinas. Alors, on n'a pas eu la promotion, mais c'est pas grave. Alors, elle était tendue parce qu'elle travaillait pas assez. Maintenant qu'elle rentre du boulot, elle est tendue parce que elle a trop travaillé. C'est franchement pas possible. Vas-y, regarde les nuages, ça va te détendre le fion. Enfin, moi, je verrais plus un Plum Bob à la place, mais bon. Mais... Tu regardes le... Ah. Oh non. Ah. Ils sont chiants, hein, ces Sims là, ces amis. Voilà, il est déjà là. Attendez, il y avait quoi? Voir le bon côté des choses. Ah, écoute. Salut, petit frère! Comment ça va, petit frère? Je passe faire coucou en 4G. C'est le Duc de Marie. C'est quoi le Duc de Marie? Ah, à
Kikorp à cause des vacances, d'accord, j'ai compris. Vous aimez bien, je rentre le 15. Oh, bah écoute, le 15, il y en a un qui se sentira un peu diminué. C'est mon petit Jamie. Vu qu'il va se faire découper. Oh, ça va, il te reste quelques jours quand même. Profites-en. Je supporte pas le très beau travail. Bah en fait, tu l'as tellement facilement en faisant rien, quoi. C'est chiant. Ah, on va augmenter un petit peu. Alors, la programmation. Ah non, il n'y a pas besoin de la faire, la programmation. Bah écoutez, on va faire de la programmation, comme ça ce sera fait. On aura fini une des... Tu as payé les factures, hein, effectivement. Ça peut être intéressant. Et on va programmer... Continuer à créer une application mobile. Oula. Cette agression sur cet enfant innocente. Quelle honte. Salut Nono NG, comment vas-tu? Mais ça va, Kikor, tranquille. Oh si, pas mal, a grossi, si. Un petit peu. Je lui ai fait faire un peu de footing en début d'épisode, mais bon. Tranquillou bilou, quoi. Ah, application mobile terminée. Après SimsTube, qu'est-ce que vous me proposez comme titre d'application mobile, tout simplement, dans les Sims qu'elle aurait créé? Pomme est enceinte. Non. No way, comme on dit. Ah, chaton. Oh non, on n'a pas fait de bébé. Non, on n'a pas fait de bébé. On s'arrête à deux bébés comme maman. Je vais faire un plein de bis pour le coupe-coupe de Minou. Non, mais après, t'es pas obligé de donner, hein, à Kikorp. Hein. Je sais que vous le faites de bon cœur, mais c'est quand même de l'argent que vous avez gagné, vous donc... Voilà, je ne suis pas là pour ça. Kinder, c'est le Tinder pour trouver des enfants, Héruline, ou comment ça se passe ton truc là? Ça fait un peu peur, non? Oh, Martial. Sims chat, Sport Sims. Et tu devrais... Une filque? Ya? Yeah, und filque, ya? Yeah. Ich verstehe, ya, yeah, ya? Yeah. Ich bin französisch, ja. Ich spreche nicht deutsch, ja. C'est ça, oh, c'est horrible. On attend toujours de voir... Oui, bien sûr. On n'attend rien du tout, oui. Non, il vaudrait mieux pas. Tu vomirais très très fort. Genre, tes intestins, ils iraient avec. Hein. Oh, ouais, non, ça serait... Un geyser d'intestin. Par la bouche. Ah, c'est incroyable, hein. Faudrait que t'enregistres au guide des records, d'ailleurs, parce que... C'est moi qui l'ai... Ah, non, j'ai un... Simstagram. Ah oui, Simstagram. Non, mais ça existe déjà, Simstagram. Dans le jeu. Pourquoi Sinter? C'est quoi, Sinter? J'ai repris l'apéro. Oui, je pense, ouais. C'est l'heure de l'apéro. Ah, le Sim Twitter. Bah, Tweet Sims. Non? Après SimsTube, on va aller à Tweet Sims. Comme ça. Tweet Sims. Pas Sims Tinder, oui, mais c'est connu déjà. Face de Sims, non, je suis shootée à l'air de la mer. Ah, c'est pire. Ouais, vous êtes pas. Oh là là, j'ai pas. Alors, je dis rien, je vais écrire un truc. Voilà, ce sera ça. Ce sera. Moi, j'adore. C'est la meilleure appli du monde. Comment ça s'appelle déjà, hein? Ah, le truc là, un peu porno là. Only fan. Only Sims. On est dans un exorcisme. QQ Sims Aubergine.
Alors. Vous êtes parti dans des trucs. Non. Allez, trouvez-moi un vrai nom. Pommy Sims. Non mais il y a des idées, laisse tomber. Hein. Cucu Sims, j'aime bien. Ah bah allez, ouais, Cucu Sims. Comme là, Cucu Sims. Ça va, Jamie? Tu t'es remis de tes émotions? Voilà, elle est contente. Elle a gagné 507 pour son appli de cul, là. De Cucu Sims, d'ailleurs. Non, j'ai dit que tu... Mais comme par hasard, la porte, elle s'ouvre, wesh. Tu vas faire de la programmation. Créer un jeu vidéo. Ah ouais, vas-y. Va créer un jeu vidéo. J'espère que vous êtes inspirés pour les jeux vidéo. Hein. Bon, elle va pas le finir maintenant, mais... la gamine, elle a faim, pas trop. Ça va. Donc on va mettre ça au frigal. Celle-ci. Celle-ci, tu vas jouer... Tu vas jouer au docteur, puis jouer au docteur, puis jouer au docteur, puis jouer au docteur, puis jouer au docteur. On s'en est tranquille pendant un sacré moment. On a trouvé le thème. Parasite, l'appli est utilisée de toute façon. Parasite. Notre souris. Des bisous à Kikorp, bonne soirée à toi. Ah, Fort Sims. Ah, pas mal. Mon vaisseau, c'est caché. Oh, on mettra un nom d'extension du jeu. Et des bisous à Kikorp, bonne soirée à toi. Et bonne fin de vacances, effectivement. Salut! Tu dis au revoir à Kikorp? Non, tu t'en fous. Ouais. C'est pas moi. Et c'est un niveau 10 en programmation, château, chaton, bravo, ma petite pom-pom. Oh, t'es chiant, mais qu'est-ce que t'es chiant. As du code, faire atteindre le plus haut niveau de la compétence programmation à un sim. Atteint niveau 10, la compétence programmation pom peut désormais pirater des super ordinateurs. Arr, et pourquoi elle se prend la tête? Elle est pas contente. La Ginette. Ah, elle a cassé son ordi! Oh, c'est pas grave, on va la remplacer. C'est pas comme si on était. Pauvre. Tant qu'on est au-dessus des 1 million, ça va. On a de l'argent. Et c'est donc une aspiration et une première compétence de terminer pour Pom Pom aujourd'hui. Ça commence à avancer tout doucement, ouais, sûrement, hein, mais. T'as une grosse queue, toi. Il a une grosse queue, ce chat. Regardez-moi cette grosse queue. Là, vous la voyez pas, mais elle est toute touffue. Enfin, oui, elle est touffue, mais ça fait gros, je trouve. Alors qu'il avait une queue de rat quand il est arrivé. Hein? T'avais une queue de rat? En même temps, il a dit qu'il donnerait des bits pour ses bouts. Il est vexé, j'avoue. Jamie, oh oui. C'est vraiment comme il est tout foncé de ce côté-là. Puis vous retournez comme une crêpe et il est tout clair. Oui, j'aime bien. Qui est mignon. Espèce de chien. Alors elle va se coucher. Ok. Ouais, il est 2h du matin en même temps, tu me diras. Et elle fait quoi dans les... Va dormir après. 2h du mat. T'as jamais vu mieux. De quoi? Qui c'est qui a jamais vu mieux quoi? Oh, câlin. T'es content? Oh, câlin. Câlin. Ce chat, un jour, il aura plus envie de faire de câlins et je vais pas comprendre.
pas eu assez ASMR encore. Attends, parce que j'ai ma gamine qui a faim. Mais pourquoi elle sait pas le dire avant, cette gourdasse? À 3h du matin, t'as que ça à foutre? Ah là 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 là, je vous jure, les gosses. Qu'est-ce que... Va te coucher! Non. Pomme, tu vas te coucher. Ouais, oh oh aussi, ouais. Tain, c'est pas comme si j'avais fait déjà des manger, hein. Pas possible, ça, hein. Comme eux-mêmes. Ils m'ont cassé la télé aussi. Eh ben, c'est du beau matériel, ça. Ce chat. Coucou, je suis le cucu de Jamie, de Titi. Enfin, moi, je veux dire Titi. Il n'y a pas le Titi. Le Titi, il monte ses fesses, mais pas trop. Ah. Coucou, je suis le lapin. Comme même, oui, c'est horrible. Je continue à le dire. Faut que j'arrête. Allez, dépêche-toi de manger, gourgandine. Elle va dormir maintenant. Ouais, elle galope, hein. Elle aussi, elle va bientôt grandir, j'imagine. Ouais. Oh là, ça va aller vite, hein. Ça va aller vite, 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 hein. Cours de Nila dans une heure. D'ailleurs, j'ai pas encore enregistré. Ce serait dommage de tout perdre. Quand même. Ah bah écoute, tu vas manger. Et toi, bah toi, tu vas en cours. Le pull, ça va. C'est bleu. Mais bon, un bon relooking lui fera pas de mal. La semaine prochaine, on se fera plaisir avec les fringues. Hein. Nouvelle coupe de cheveux, tout ça, tout ça. Ce sera bien. Ça y est, vous êtes tous endormis dans le chat maintenant. Hop. Et donc, elle va se faire des amis, évidemment. Pour peut-être rencontrer son futur mari. Nous, hein, on est comme ça. Nous, on voit directement dans le futur. Quoique, si, je crois que la génération bleue a un but. Ouais, ils doivent faire quand même des gosses. Donc, en fait, c'est pas encore les derniers enfants du challenge. Le marchand de sable va frapper. Fouah, fouah. Tu joues aux Sims? C'est du propre. Bon, je la laisse jouer aux jeux vidéo, parce qu'en vrai, il faut qu'elle arrive au niveau 10, donc... Bon, on est niveau 8, 78, donc on est presque au niveau 9. Mixologie, on est un peu moins avancé, mais on fera ça la semaine pro, je pense. Toujours là, bien réveillé. La boule, la cœur boule. Je joue aussi. Ah. Vous avez vu, c'est type Mortal Kombat, mais version Sims. Hé ! C'est le sphinx des Sims 3 ! Trop drôle. Ah bah non ! Oh. Regardez la nouvelle tenue qu'on lui a mis ! Ouais ! Ah. Ah bah effectivement ! Qui c'est qui m'a renversé ma poubelle ? Merci ma petite. Merci, tu es bien aimable. Tu taffes aujourd'hui? Oui, tu taffes dans 20 minutes. Bah écoute, trop tard maintenant pour aller manger tout ça. T'auras pas le temps, Janine. Oh, il y a encore le... Va ouvrir un cadeau, ce sera plus intéressant. Ouvrez des cadeaux, c'est toujours gratuit, c'est pas ça. Moi, je regarde attentivement. Merci, Anne, ça fait plaisir.
grâce à toi. Et Cucu Sim 73 Sim Flouz, attention. Hein. Alors, une carotte. Mathias a eu une carotte. Et le cadeau ne refermit littéralement rien d'autre que de la tristesse et des mensonges. Bon, c'est génial. Alors, on va se débarrasser des trucs de Noël parce que je crois que ça a fait son temps. Et que ça sert à rien. Les cadeaux... Les cadeaux ne servent plus à rien aujourd'hui. C'est vraiment pas de bol. La 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 la. La 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 la. Oui, je sais. Je mets des rideaux seulement maintenant. Comme on a osé critiquer ma cuisine. J'en prends note. J'en prends note. Dire que ma cuisine était un hôpital. Tout ça. Ah ça. Ça pour critiquer, il y a toujours du monde. Hein. Après. Cuisine. Ouais. Cuisine. D'ailleurs, moi, je vais y aller, hein. Je vais y retourner à ma place, hein. Vous savez bien que ma place, que la place de la femme, c'est à la cuisine. Tu peux être docteur avec tes diplômes, ta place à la cuisine. D'accord. Hop, et ça dégage. Parce que si je mets là, il veut pas, parce qu'avec ça, j'ai eu un peu plus de place. Ok. Ça va aller comme ça. Vous allez arrêter de me critiquationner. Suffit, hein. Moi, je crie, hein. Moi, je crie. Des jours et des vies. Moi, je crie. J'ai pris quelle couleur, wesh. Oh, j'ai pas pris vert. Oh, c'était moche. Blanc et noir, on est d'accord. Ok. C'est pas beau. Marde. Mercredi. Zut, hein. Moi, je trouve que ça colle pas, mais bon, c'est pas grave. Tiens, on va rajouter une corbeille de fruits. Voilà. Et du thé. Non, pas du thé, on s'en fout. Oui, bah cette maison, elle est triste. J'y peux rien, moi. C'est pas moi qui l'ai faite, hein. Oui, c'est... Oh, titi d'amour! Ils se coursent l'un l'autre, là, les deux. J'ai même pas mis de tapis de bain. Bon, je suis pas en construction, hein, normalement, mais... Ça, c'est Jamie qui fait le coup. Ah, écoutez, la chambre, elle est déjà mimi. Ici aussi... Ça va. C'est juste que là, ça va pas. Je suis con. On avait ça. On a ce mur-là qui peut y aller. Hop, comme ça. Hop. Ah, Copper, il va être un petit peu copé. Ah, voilà. Et ça fait moins bizarre.
Je vais juste centrer les deux là. Tac, 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 tac. C'est bien. Peut-être décaler le bureau ici. C'est pas mal. Il a remis l'aspirateur en route. Quel chiant. Je vous ai dit hein, qu'il était chiant. Tu appelles qui? Ah oui, donc je peux dire non. À quand le prochain live Faizmo? Ouh là là, ta vie ira jamais vu la cuisine. Une chambre froide. C'est splendide. Merci, c'est gentil de me critiquer. Je dirai plus rien. Mais non, mais j'ai rien dit, moi. C'est gentil. Pour les jumeaux à venir, jamais. Jamais une machine à café. Jamais. Parce qu'après, ils passent leur temps à le boire et puis quand à chaque fois, ils doivent pisser. Et c'est insupportable, en fait. Une machine à glace popcorn, pareil, ils vont bouffer que ça. Salut, Topia, comment vas-tu? C'est tout qu'un accident est si vite arrivé. Comme eux-mêmes. Bah, avec les rideaux, c'est un peu plus mignon. Puis là, ça fait un peu plus de... Voilà, un peu plus de place. C'est pas incroyable, je sais bien. J'aurais dû en mettre dans le jardin. Qu'est-ce que c'est, ça? Il y a une réunion des... Oh là là! Thierry Chevalier a été élu maire du village. C'est le frère d'Orangino. Voilà. Toi, t'es sexy, hein. T'as un style, hein. Comment tu t'appelles? Tu te calmes, Jamie, maintenant. Il vient de me taper un bon, vous n'aurez pas idée, hein. Tu peux aller courir? Et je cours, et je me raccroche à la vie. Je vous saoule avec mon bruit, des mots qui m'entourent. Alors, un lave-vaisselle. C'est possible. Samedi 16, soirée Phasmo quand je rentre du taf. Bah, si tu veux. Tu notes. Si tu crois que je note des choses, moi, dans ma vie. Mais que nenni. Arrêtez de triquiter, c'est vrai. Faut arrêter de triquiter, ça suffit, là. Les triquiteurs, ça faisait longtemps qu'ils étaient pas viendus, les triquiteurs. Moi, je vous connais, hein. T'es où? Non, c'est pas la nôtre, ça. C'est la celle-là, la nôtre, c'est la plus petite. Et c'est la moche. Comme Edith la moche. Dans mon carnet. Dans 10 jours, c'est ça. Ah ben, c'est après le coupe-coupe. Donc, c'est bon, je vais pas oublier. Une PlayStation, j'ai une obsession avec. Dans toutes mes constructions, j'en mets une. Une PlayStation? Mais ça existe pas. Et on a déjà une console. On a ça. On peut avoir une piscine. On peut. Bonne nuit, Guillaumus. Repose-toi bien. Bonne nuit, Marinette, pardon. J'aime bien voir Charlie faire des bons. Surtout en amateur, maintenant qu'on arrive à mourir en amateur, c'est merveilleux. On voit, on apprécie tous notre skills. Un petit tapis, un petit panier, ça change, hein. Ça change tout, hein. Voilà, voilà. T'as pas de ménage à faire, toi? Non, bah écoutez. Il y a que la petite... mais la petite, même elle fout rien, elle dort. Vous voyez, 14h, hein, meuf, tu vas te réveiller un petit peu aussi. Papa, il va faire à manger. Allez. Servir le déjeuner. Ah, un bon chili. Un bon chili. Chili con carne. Est-ce que vous aimez le chili dans le chat? Qu'est-ce que tu fais? Ah, Nila est retournée de l'école. Elle a rencontré Guillaume, je crois. Mais pourquoi ils vont là tout le temps?
porcelaine roi aussi, cela. Tiens, tu peux raconter des trucs à ta petite sœur. Comme même. Le tapis sous la baignoire. Ouais, il est un petit peu trop sous la baignoire. Je te rassure, je bondis à l'unisson. Oh, ça fait plaisir. Merci Angélique pour ton follow. Bienvenue à toi. Hein. Chili. Ah, t'aimes pas le chili, Linaxel? Et salut Onirie, comment vas-tu? Et salut Angélique, comment vas-tu? Chili con carne, oui, mais sans haricots rouges. Mais ça, c'est ce qui fait le plus dans le chili. Moi, je le fais à maison. Bah, je me régale à chaque fois. Oh là là, c'est un vrai plaisir de me faire des chilis. Avec sa carotte. Tiens, tu vas la manger, ta carotte. Mon cadeau de Noël. Ah! C'était sympa, la petite carotte. C'était acidulé. Non, t'as pas faim, Jean-Claude. Attendez! Non, j'ai rien dit. Je dis de la merde. J'allais dire, regardez comment il fait pour manger. Il venait de manger une carotte, je suis un peu bête. Un petit peu bête, c'est moi qui suis un petit peu bête. Oui. C'était pas pour ça la carotte. Ah mince. Zut. J'ai le chili, mais ce soir j'ai mangé canard laqué, des nouilles sautées. Ouais, non, ça me donne moins pas envie. Très dur aujourd'hui ta journée. Comme ma bite. Chobji. Je suis pas contente de tomber sur ton live car il a l'air d'avoir une super bonne humeur. Ah bah écoute, on essaye, hein. On essaye. Ah non! Le Hulk! Attends, bah oui, elle est déjà rentrée de vacances. Dès l'école. De vacances, n'importe quoi. Un instituteur a surpris Nila en train de copier sur un autre élève pendant un contrôle et l'a envoyé chez le directeur. Je suis sûre que c'est une erreur, vous faites lui repasser le contrôle. Qu'est-ce qu'on dit? Et qu'est-ce que tu fous, toi? Laisse ce carton tranquille. Viens là, monsieur le fou dingue. Non, non, tu descends. Tu descends. J'ai mis, arrête tes conneries. Oui, donc on est sur le note sauvéry, nous, de notre côté. Alors on est sur la génération verte, qui est la génération numéro 9 déjà, donc on est sur la fin du note sauvéry. Et au niveau de la bonne humeur, écoute, on essaye de pas s'emmerder, déjà, c'est déjà pas mal. Eh ben, il y a un petit sondage qui a été balancé dans l'espace chat. N'hésitez pas à répondre via ce sondage, comme ça, même les personnes les plus timides pourront s'exprimer avec grand plaisir. Toi, je te sens dissident, mon chaton. Je te sens énervé. Ouais. Tu vois, oui, il vient pas faire de câlin. Miam miam le chili. Moi, j'ai mangé fondu ce soir. Ah, mais arrêtez. Moi, j'ai pas mangé comme ça ce soir. Mais moi, il faut que je perde au moins 40 kilos. Hein. C'est décidé. Au moins. C'est une erreur. Et ben, il faut le... Moi, t'es dans le petit chat. Et maintenant, il est fini, le chat. Et c'est le numéro 2 à 69%. Faites-lui repasser le contrôle. On va lui faire repasser le contrôle à cette gosse. Et pourquoi ça fait un fond gris comme ça? C'est bizarre. Ou c'est moi? Qu'est-ce que tu fais? Non, tu vas pas la prendre dans tes bras, tu vas être lavé. Jamie Croquette. Le chat qui n'a jamais peur. C'est vrai que... Il m'ignore quand je l'engueule. Oh non! Pff, ils sont chiants. Qu'est-ce que tu fais? Fais pas de conneries. Hein. Parce qu'il veut pas rester avec moi, mais... Je le connais, c'est un coquin. Un fiefé coquin. Oui, je sais, ça sent bon dans ta maison. C'est bien. D'ailleurs, j'ai pas regardé si... Ouais, la perf, elle est pas non plus... Oh non! Bon bah, on est obligé d'y aller. 40, on va plus te voir. Ah si, si, je pense. Si, si, je pense. Moi, la femme, ce soir, c'était McDo. Oh oui. Toul, peut-être
Je l'ai mis, il me fait disparaître le fond, obligé de le supprimer. Ouais. Ah. Oh, nous avons encore une belle brochette de mort. Christophe Williams, Jean-Eudes Fougère, et oui, Karine Williams, Elodie Rainbow, ah, et Luna Fougère. Elodie Rainbow, je ne sais pas qui c'est, mais RIP. Rest in pepperoni. Ben voilà. Oula, oula. Alexandre a les cheveux jaunes pisse. On avait dit qu'on devrait aller chez la sœur pour refaire connaissance avec son wesh de mec et son enfant. Nous y sommes. Ils ont eu qu'un seul enfant ? Ils vont en avoir un deuxième. Ah, c'est chaussures interdites ici. Qu'est-ce qu'elle a ? Comment vas-tu, petite enfant ? Ouah, il a les yeux de sa mère ! Ouah ! Ouah ! Il est beau gosse ! Bon, il a les cheveux jaunes pisse de Pulco. Ça a sauté beaucoup de générations pour arriver là. Non, en vrai, ça veut dire qu'il aura les cheveux verts comme sa mère. Parce que son père, il a les cheveux noirs, mais voilà. Tout va bien pour Opaline. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Elle a juste mangé un cookie un peu spécial. Bonne nuit Angélique, des bisous, à la prochaine. Tu vas lui parler un petit peu, hein, comme eux-mêmes, et tu vas décrire l'invasion des robales. Et en même temps, on va te foutre enceinte. Hein, parce que bizarrement, t'es voilà. Début de la grossesse. Mais il est là, son mec. Est-ce qu'ils sont pas mariés? Je les ai pas mariés. Je sais plus comment il s'appelle. Bah voilà, Jules Fougère. Oh bah le hasard décidera. Un petit gars. Encore. Ayuya. Ayuya. Je connais Ayuda. Mais pas Ayuya. Il est pas ouf. Bon si, il est beau. Cucu, déjà a goûté le spécial raclette burger de chez Burger King. Comment ça? Je suis pas au courant, moi. Je valide pas la couleur de cheveux. Non, bien sûr. Mais le reste, j'aime bien ça. La couleur de sa peau, la couleur de ses yeux. C'est tout, quoi. Essayez de réconforter. Petit bichet. Petit bichet. Trois triplés. Oh, comment t'as écrit ça? Triple tête. Triple T. Les triple T. Qu'est-ce qu'ils ont? On va parler du dernier jeu. T'as joué à la dernière saison de Fortnite ou pas? Incroyable! Tu sais, quand ils ont fait la nouvelle saison, là, ils ont fait disparaître le jeu et puis ils ont fait une éclipse. Oh! J'ai failli me suicider. C'est bien, t'as fait connaissance un peu avec eux quand même, un petit peu. Se moquer des noobs. Elle fait des câlins aux gamins quoi. Non, alors que c'est son neveu. Ah, c'est trop chou, c'est trop mignon. Et alors, c'est bien Lilaxel? C'est bon ou pas? C'est que la dernière fois que j'ai commenté Burger King, il l'avait pas, hein, sinon je l'aurais commandé. Hein. Donc c'est trop de la moutarde. C'est trop de la moutarde. Tout va bien chez moi. On est à 1h59, faut vite que j'abrège cet épisode. Hein. Bon, elle a parlé un petit peu à tout le monde, c'est bon pour rentrer chez nous? Allez, c'est bon. Rentrons chez nous.
Bah écoute, Marcelux, bonne nuit également à toi. De toute façon, je pense qu'on va s'arrêter également aussi. Je les couche et puis on est parti. T'as bien aimé ? Ouais, que j'essaye. Et des bisous, Marcelux. Eh, tu pisses. Tu one piece plutôt. Ah, elle était bonne. Tu vas courir. Niveau 4. Et tu vas recourir. J'ai dit recourir, pas t'occuper de tes gosses. Et si ça buguait pas le jeu déjà, ce serait sympa. Repousser tes limites. J'ai dépassé mes limites. Super. Eh ben rentre chez toi vu que ça marche pas. Ah tiens tiens. Mais qui c'est qui a mis de la peinture? Lui repare tout. Eh? Éducation. C'est pas elle, c'est l'autre. Mais elle dort tout le temps celle-là, là, saloperie. Ça l'a fait ses devoirs, ok. Eh ben tu vas aller manger alors. Toi tu peux aller pisser en fait Jean-Claude. Et toi, douche et dodo. Voilà. On la relookera la semaine pro. La petite. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a été cassé? C'est lui? Est-ce que je t'ai dit d'aller à la douche? J'ai oublié moi. On va remplacer ça. Et toi, tu vas te coucher. Et c'est comme ça qu'on terminera aujourd'hui cet épisode. Eh ben écoutez, on aura quand même avancé avec une aspiration terminée. Pour petite pom-pom. Et en plus, on a terminé le niveau 10 de la programmation. Pas de promotion pour son taf, mais on est quand même au niveau 7. On avance tout doucement. La semaine dernière, on a gagné quand même 2 niveaux. Donc on va pas se plaindre. Hein, tu es mignon. Tu viens dire au revoir. Donc on verra ça la semaine prochaine. Avec un relooking de la première, l'anniversaire de la deuxième. Que ça seront enfants. Et on continuera à augmenter ses compétences. Tout ça, tout ça. Donc je fais des bisous à YouTube, bonne après-midi, à bientôt, et on se retrouve très, très vite pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt YouTube, à la semaine prochaine, ou autre chose, bref, je sais pas, tout va bien. Allez, salut !